Bonjour à tous, moi c'est Cécile. Et aujourd'hui je vais vous parler du saxophone. Du saxophone, t'es sûr? Parce que, enfin, là on voit un peu plus qu'un instrument de musique. Alors oui, quand on parle du saxophone, on parle en fait d'une famille de saxophones. La famille n'est pas complète ici, mais nous en avons déjà quatre représentants et ça nous suffira pour aujourd'hui. Alors, quand on commence le saxophone, on commence par celui-ci, c'est le saxophone alto. On peut le commencer vers à peu près 7 ans. Et mais ce qu'on aime beaucoup quand on est saxophoniste, c'est de jouer ensemble et si possible de marier les timbres. Donc du coup, très rapidement, on rajoute un saxophone ténor ou un saxophone soprano. Et puis quand vraiment on grandit bien, eh bien on rajoute le saxophone baryton. Je vais vous jouer quelques extraits très très courts de chacun de ces quatre instruments. Et puis je vais commencer par le saxophone baryton. Nous commençons avec un extrait de Grieg. Je poursuis avec un extrait de la suite numéro 2 de jazz de Shostakovich au saxophone alto, celui qu'on débute. Tu viens de dire suite numéro 2 de jazz? Bah oui, parce qu'en fait le saxophone a été très joué par beaucoup de musiciens de jazz. On poursuit avec du coup le saxophone, leur saxophone de prédilection au jazzman, donc le saxophone ténor. Et cette fois-ci, je ne vous présente pas le morceau. Je suis persuadée que vous le connaissez déjà. C'est déjà l'heure de nous quitter. Donc du coup, je termine avec un extrait du boléro du très célèbre boléro de Maurice Ravel au saxophone soprano. Voilà, eh bien, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Et puis j'espère vous retrouver en septembre à l'école de musique de la communauté de communes de Parthenay-Gâtine.